Bienvenue, je suis en France, une grande partie de notre politique sociale est gérée de façon paritaire entre partenaires sociaux sans que le gouvernement ait à intervenir. Cette modalité particulière de gouvernance a fait ses preuves dans le passé, mais elle est régulièrement remise en cause par le gouvernement ou par certains syndicats comme le MEDEF. Va-t-on dès lors vers la fin du paritarisme Messieurs, c'est à vous que je vais poser la question. Joseph Tounel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC. À vos côtés, Jean E. bonjour. Jean bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise. Joseph, j'aimerais d'abord qu'on retourne aux sources du paritarisme. De quand date le paritarisme et c'est quoi le paritarisme Le paritarisme, c'est simple. Comme le nom l'indique, c'est un parité. C'est-à-dire que dans les relations sociales, un parité patronat syndical. Nous sommes tous les deux dans le paritarisme, un parité, voire un paritarisme tripartite, avec votre présence. Euh, Après-guerre, sont mis en place, notamment à fonction publique, des groupes paritaires de concertation. Prenez pas de décision, 1946. Petit à petit, dans les relations sociales, s'est construit le paritarisme. Et en 67, pour la sécurité sociale, qui est un élément majeur, euh, le paritarisme a été institué, alors qu'avant c'était uniquement la gestion les élus des salariés. Donc il y avait une grande élection, et représentant les représentants des salariés élus. En 67 est arrivé le patronat puisque le patronat disait puisqu'on finance, il faudrait quand même qu'on ait le, le voix au chapitre. Normal. Est ce est, ce est normal. Ce qui paraît assez Ce qui est normal. Est est à, à mon sens, le paritarisme c'est une excellente chose. C'est l'exercice d'une responsabilité concrète faite par les acteurs. Il y a un paritarisme de négociation et puis un, un paritarisme de gestion, on peut dire ça comme ça, jean oui. euh, Le paritarisme de négociation, c'est par exemple lorsque l'État demande aux partenaires sociaux de travailler ensemble pour préparer de nouveaux accords. Euh, après, l'État euh, considère qu'ils ont bien travaillé ou pas, qu'ils se voient ou pas, mais c'est à distinguer du paritarisme de gestion. Et effectivement, vous faisiez référence à, aux organismes sociaux, en l'occurrence à la Sécurité sociale, par exemple, où dans les conseils d'administration des caisses nationales, mais aussi des caisses locales, on va retrouver les représentants des organisations dites représentatives, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, cette qualité est retenue, et euh, on nous confie, je dis on, en tant que partenaire social dans une caisse de sécurité sociale, euh, un certain nombre de décisions, mais euh, il est illusoire, et en tout cas faux, de dire que l'État ne s'en mêle pas. L'État est la tutelle, reste la tutelle, et a plutôt tendance à exercer de plus en plus souvent, Elle de sur, plus en plus loin, de plus, ou mais, plus ou moins loin. Euh, oui. Mais de ça, plus en plus près d'ailleurs. Mais ça pose question. Mais il y a un sens de l'histoire qui va vers moins d'autonomie des partenaires sociaux dans la gestion euh, et plus d'intervention de l'État. Ça peut s'expliquer parce qu'avec l'apparition de la CSG, avec les compensations par l'État des exonérations qu'il décide euh, pour le financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire en fait si on, on, on baisse des charges, l'État compense. Euh, à, aux URSAF, euh, ce qu'il. Comme il met des sous dans tout ça, oui, il se dit je ben, vais surveiller oui, mes sous. Ce n'est pas choquant en soi, mais on change de mode de gestion. On euh... n'est plus dans l'autonomie, euh, le paritarisme Absolument. tel qu'on le connaissait jusqu'à présent. C'est une bonne ou une mauvaise chose que l'État se mêle de ton. en C'est un basculement entre une solidarité qui était professionnelle sur les métiers et une solidarité nationale. Donc je l'ai très bien dit, avec la CSG, ça devient quelque chose de national. Est-ce qu'en soi c'est une mauvaise chose On peut se poser des questions, on peut regarder. Est-ce que le rôle de l'État est toujours positif Je ne le crois pas. Je crois qu'à un moment donné, les partenaires sociaux ont plus de capacité, et ils le montrent, à mieux gérer moins cher et plus efficacement que quand l'État mêle. Et ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Le cas pour tous les domaines dans lesquels le paritarisme est utilisé, je pensais notamment euh, au, au candidat Macron qui annonçait qu'il voulait réduire euh, le rôle des partenaires sociaux au, au sein de l'UNEDIC. Alors. Il y a, en dehors de la Sécurité sociale, il y a l'UNEDIC et puis il y a les organismes à Gircarco, où là on est dans du strict paritarisme comme à l'UNEDIC et ce sont les partenaires sociaux qui vont décider même de, des taux de financement euh, et là on, est, on va jusqu'au bout dans la gestion alors que dans les organismes de Sécurité sociale c'est le Parlement qui décide des taux de cotisation. Les partenaires sociaux se contentent de gérer et d'utiliser du mieux possible l'argent qui leur est confié. C'est simple. Mais euh, je rejoins ce que disait Joseph en disant que les partenaires sociaux sont d'une certaine façon, en tout fait cas pour moi, la, une certaine garantie de bonne gestion, mais pas parce que forcément on est meilleur, mais c'est simplement qu'il y a une sorte de contre-pouvoir qui fait que ben, nous avons une vigilance sur ce qui se fait et qui va plutôt rendre service à la gestion euh, en général de ces organismes. Euh, mais les, nos pouvoirs sont, restent modérés. Euh, en tout cas, ils sont bien limités. Euh, par exemple, les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale vont décider des investissements dans de l'immobilier, vont, vont voter les budgets, vont voter des orientations générales sur le service euh, apporté, euh, l'organisation aussi. Euh, donc c'est un lieu... De concertation entre les partenaires sociaux, qui va plus loin que l'objet même de ce qui les réunit, parce que c'est un lieu pour moi de dialogue social. Donc, il y a une vertu au paritarisme en lui-même, ah bah... c'est parce que c'est un, un lieu de dialogue social, euh, de dialogue et de co-responsabilité. De co-responsabilité, donc il y a une vertu à ça. C'est les corps intermédiaires qui font leur travail. Et ce que vous évoquiez du euh, candidat Macron, maintenant président de la République, je pense que c'est une erreur monumentale. Il n'a pas vu l'intérêt des corps intermédiaires. Et s'il l'avait un peu mieux vu, avec une lorgnette un peu précise, il aurait peut-être moins de gilets jaunes aujourd'hui. Parce que ça, c'est une des conséquences. Quand on laisse la personne seule face à l'État, l'État peut tout imposer. C'est la force de l'État. Et donc, la réaction, c'est la révolte à un moment donné. Oui, on et pas... les corps intermédiaires que nous sommes, dans, dans notre précaré, qui est tout ouais. ce qui est économique et social, nous régulons. Il y a une vertu. Mais quand, si vous êtes attaqué, vous, corps intermédiaire, c'est aussi parce que parfois il y a des raisons. On a reproché notamment au syndicat euh, un certain immobilisme, une certaine forme d'immobilisme, notamment euh, concernant euh, les négociations sur l'assurance chômage qui aujourd'hui sont au point mort. Dans ces cas-là, c'est normal que l'État mais... intervienne <laughs> on, on va être d'accord, je crois. Là, on regarde les choses en face. On négocie. Alors quand on négocie, euh, le résultat, c'est à la fin de la négociation. Évidemment, il y a. Euh, d'un côté le financement, de l'autre côté les droits. Mais tout ça, ça fonctionne très bien depuis des années et des années, à des coûts qui ne sont pas démentiels. On n'est pas du tout immobile. Est-ce que aujourd'hui en France, le système du chômage ne fonctionne pas Ce qui ne fonctionne pas, c'est ce... quand l'État a décidé de prendre la main et a créé Pôle Emploi sans mettre les moyens nécessaires pour cette belle invention qui nous a mis dans un bazar considérable. Pour le reste, partenaires sociaux, alors on a nos petites engueulades, c'est normal. Mais on gère quand même pas mal, et je pense qu'on gère beaucoup moins cher que si l'État gérait directement. – Et moi j'en suis témoin de cette euh, collaboration, et même de cette solidarité dans la responsabilité. Euh, en tant que président de la CAUSE, la Caisse Nationale des URSAF, tous les quatre ans, on prépare une négociation avec l'État sur les objectifs et, et les moyens dont on disposera pour les quatre ans à venir. On travaille tous ensemble avec les syndicats de salariés, le patronat, euh, et on arrive à s'entendre sur ce qu'il convient de faire. On n'est pas forcément d'accord sur les moyens alloués parce que certains veulent réduire les dépenses et d'autres euh, les augmenter ou les maintenir, mais euh, on a une politique, sur la, 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 le sujet politique, il y a une forte convergence. Alors ça se traduit par quoi Ça se traduit parce que finalement, euh, au fil des années, on devient de, de plus en plus performant dans la gestion. Je vais juste vous donner un chiffre. Euh, le recouvrement euh, des cotisations sociales fait par la COS et le réseau des URSAF, c'est 500 milliards. Eh bien, pour collecter et répartir ces 500 milliards, 23% du PIB de la France, euh, ça nous coûte 0,26% des sommes collectées. Ça veut dire quasiment rien. Et ça, c'est la performance de ce réseau. Alors, on, on peut accuser de dysfonctionnement, etc. Mais globalement, comme le dit Joseph, euh, la machine fonctionne des bien, organismes hein. sociaux fonctionne Alors, plutôt pourquoi bien. Alors, est-ce que certains syndicats comme le MEDEF, que vous connaissez bien, attaquent, notamment lors des dernières campagnes pour la présidence du MEDEF, à attaquer le système du, du paritarisme Il n'y a, il, il a pas que l'État qui attaque. Il y a quelques candidats qui ont pu attaquer, mais il faut savoir qu'est-ce qu'ils qu attaquent en réalité. C'est parfois une sorte de supercherie dont ils sont témoins. Lorsqu'on fait appel à des milliers de mandataires des différents syndicats et patronaux et salariés dans des organismes de sécurité sociale et qu'on leur donne pas de pouvoir, euh, c'est une énergie folle dépensée en temps euh, qui coûte aussi un peu d'argent puisqu'on dédommage les salariés, enfin les employeurs des salariés euh, et pour certains ça peut apparaître un gâchis, c'est-à-dire à quoi bon s'investir dans du paritarisme si l'État veut toujours reprendre la main. Il y a, il y a beaucoup de ça hein, dans, dans les critiques qui sont faites. Mais moi, j'aurais tendance à dire, nous avons des prérogatives, dépensons aussi de l'énergie pour que pour nos prérogatives soient respectées. Et, et, y a euh, ouais. et, et il y a du boulot. J'ai eu un, un rapport euh, parlementaire en 2016, donc euh, relativement enfin, récent. Et la conclusion du rapport, c'est le paritarisme est l'un des piliers de la démocratie française. La démocratie, ce n'est pas simplement le bulletin de vote, c'est aussi être citoyen. Et ils se sont rendus compte, les parlementaires, que c'était une façon d'être réellement citoyen, d'être réellement acteur au sein de la vie de la cité, par ceux qui sont responsables, qui prennent leurs responsabilités. Après, il y a un certain nombre de personnes qui sont arqueboutées contre le paritarisme. Je pense à Jacques Attali, qui parle très bien de ce qu'il ne connaît pas du tout. Euh, et ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas le premier, je, ce sera pas le dernier. Je, je, non, je, je pas, ne peux vous... que le citer. Hein. Les gouvernements et les parlements successifs ont pris l'habitude de se contenter de photocopier dans la loi les textes agréés entre patronat et syndicats. Et donc, il faut supprimer le pari-tarif. C'est totalement faux. Ça montre qu'il est absolument hors sol de la réalité sociale de notre pays et de nos entreprises. Mais Jacques Attali, c'est quelqu'un qui a une puissance médiatique, donc d'influence considérable. Et quand il nous dit, sans s'en sans tenir à l'accord des partenaires sociaux et de financer enfin décemment les chômeurs dont dépend l'avenir de la cohésion sociale, comme si les partenaires sociaux on n'avait pas le souci quotidien des chômeurs, comme si on attendait Jacques Attali pour financer les chômeurs et les formations des chômeurs. Jacques, réveille-toi, on fait le boulot. <laughs> je pense que jean eu est d'accord avec vous oui. en, en trois secondes. Non, mais je voudrais simplement insister sur le fait que dans la, la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale, par exemple, il y a la gestion du recours amiable. C'est comme pour les prud'hommes, c'est-à-dire qu'il y a des délibérations prises entre les, les, les partenaires euh, sur des dossiers précis. Et là, il y a toujours des décisions prises, ce qui est la preuve que nous arrivons à nous entendre. Non seulement quel ça que fonctionne soit le mais en plus ça coûte pas cher et ça permet le dialogue social. Merci à tous les deux. Je pense que vous êtes deux, deux défenseurs acharnés du paritarisme. On l'aura bien compris. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.